Dans le français parlé, il y a beaucoup de petits mots de la conversation, qui sont pas très faciles à traduire. Ils ont plusieurs sens possibles, ils expriment plusieurs choses, et donc c'est difficile pour vous de les comprendre, et c'est aussi difficile de les utiliser. Donc je vais vous proposer plusieurs petits mots très utilisés aujourd'hui dans le français courant, mais aussi le français familier. J'espère que ça vous aidera à mieux les comprendre et les utiliser. Petit mot numéro 1, voilà. Alors c'est un petit mot tout simple, vous l'avez sûrement appris au tout début de votre apprentissage du français, voilà. Donc voilà pour tendre quelque chose, présenter quelque chose. Alors moi je vais aussi vous expliquer un sens qu'on utilise énormément, qui n'est pas forcément pour présenter quelque chose, mais par exemple quand vous avez une interruption, vous êtes en train de parler au téléphone ou faire une visioconférence avec quelqu'un, vous avez une interruption. Quand vous revenez, vous pouvez dire voilà. Voilà. C'est comme si vous disiez c'est bon, je suis prêt, je suis prête, on peut reprendre en fait. D'accord? Donc par exemple, ah, excuse-moi, je dois brancher mon téléphone qui n'a plus de batterie. Vous le faites et ensuite vous revenez et dites ah, voilà. C'est comme si je suis prêt, je suis prête. OK? Voilà. Et puis on a une petite variante avec une autre expression du visage qui est et voilà. Et voilà. Alors là, vous voyez à mon expression que je suis moins contente. Et voilà. Donc par exemple, vous êtes avec vos enfants, vous leur dites de faire attention à quelque chose parce que vous craignez qu'il se passe un incident. Et puis ils vous disent non, non, tout va bien et l'incident se produit. Et ensuite, vous pouvez dire, et voilà, et voilà. Là, on comprend, ah, c'est bien ce que je craignais qui est en train d'arriver. La catastrophe est là, en fait. Et voilà. Donc, c'est quand vous avez anticipé quelque chose de plutôt négatif et que ça arrive, en fait. Et voilà. Et voilà, encore des heures supplémentaires à faire, j'en étais sûre. D'accord? Donc, vous pouvez faire une phrase après, mais vous pouvez dire simplement, et voilà. Donc, votre interlocuteur comprend que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez en fait, que vous anticipiez et qui est arrivé. Voilà pour voilà et voilà. Expression numéro 2, tout petit mot bon. Bon, B-O-N. Alors là, ça dépend des gens, ça peut être un tic de langage. Un tic de langage, c'est justement ces petits mots que l'on place beaucoup, beaucoup dans la conversation. Ça dépend des gens. Moi, je sais que c'est un de mes tics de langage, je le dis beaucoup. Bon. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise? Alors, c'est toujours en début de phrase ou alors pour faire une transition. Vous voulez passer à autre chose, en fait. Donc, vous êtes en train d'aborder un sujet, puis vous voulez passer à un autre sujet, c'est-à-dire, bon, maintenant, on parle de blablabla. D'accord? Donc bon, plus une phrase derrière, d'accord? Qui va donc lancer un nouveau sujet ou commencer une nouvelle chose. Bon. Par exemple. Bon, on a déjà tout réglé, ça, on a tout discuté, on s'est organisé. Bon. Passons aux choses sérieuses maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Donc là, c'est pour montrer qu'on passe à une nouvelle phase. Okay. Il y a aussi un bon. Que mon mari utilise tout le temps, qui veut dire on bouge en fait, on fait quelque chose, on se déplace, on va aller ailleurs. Donc par exemple, vous êtes assis au café en train de discuter et vous dites bon. Quand quelqu'un dit ça dans un petit groupe ou même dans un couple, hein, ça veut dire bon, on passe à autre chose, on se lève, on part, on fait autre chose en fait. Le bon. Il déclenche une nouvelle discussion ou une nouvelle activité. D'accord? Donc c'est juste bon, tout seul. D'accord? Et l'intonation et l'expression du visage est aussi importante pour savoir si la personne est heureuse ou pas. Hein. Donc il y a un bon, allez, on y va. Vous voyez, là, on est dans quelque chose de ah, dynamique. Mais si c'est bon, vous voyez, avec un soupir comme ça, c'est pouf, là, c'est un sens légèrement différent. C'est bon, on passe à autre chose là, je m'ennuie en fait. Voyez? Donc l'intonation, l'expression du visage, c'est vraiment important dans toutes les langues, bien sûr, mais en français, donc quand vous voulez décoder ces petits mots, faites vraiment attention. Bon. Et puis il y a quelque chose de très proche qui est ah bon. Ah bon, c'est vraiment une exclamation.
Donc il y a toujours vraiment le, hein, le ah bon? Ah bon? Ah bon? Donc là, on est dans la surprise ou l'étonnement. Hein? C'est vraiment, vous êtes surpris. Donc ça peut être une bonne surprise, une mauvaise surprise, on vous dit quelque chose de positif ou de négatif, peu importe. On a cette façon de dire, ah bon? Tu pars en voyage? Ou alors, je ne sais pas, ma voisine a eu des triplés, en fait, trois bébés. Oh, ah bon? Vous voyez? Donc, on peut varier vraiment la durée des syllabes, l'intonation en fonction de ce qu'on veut exprimer. Je pense que vous savez, en français en particulier, c'est très important, l'intonation exprime vraiment une intention. Hein. Quand on met une intonation en français, on exprime vraiment son ressenti. Donc ça, c'est très important en français. Alors maintenant, expression numéro 3, qui est très complexe parce qu'elle a beaucoup de sens possibles, c'est quand même. Quand même, hein, quand même. Là, je vais vous expliquer seulement l'utilisation quand on utilise quand même tout seul, hein, qui n'est pas intégré dans une phrase, il est seul. Donc là, il exprime vraiment la surprise. Par exemple, un ami vous dit Ah, je viens d'acheter ce nouvel ordinateur, je l'ai payé 1500 euros. Donc vous pensez Waouh, c'est cher. Et donc vous pouvez simplement dire quand même. Ah, quand même! Donc ça peut être le ah ou le quand même tout seul, hein? Ah, quand même! Quand même! Ça, donc avec cette expression du visage, ça veut dire ah oui, c'est vraiment cher. Je ne pensais pas que ça serait si cher. Donc là, il y a vraiment de la surprise, d'accord? Quelque chose qui vraiment vous étonne. Quand même! Hein? On a aussi le quand même qui exprime en fait votre impatience. Donc par exemple, vous attendez quelqu'un pendant très très longtemps, vous avez rendez-vous, la personne est en retard, et elle arrive et vous dites quand même. Hein? Donc quand même. Donc c'est vous dire ah enfin, enfin tu arrives, je t'ai beaucoup attendu. Donc c'est un quand même qui exprime quelque chose qui n'est assez désagréable pour soi-même, hein, de l'impatience et. C'est pas un vrai soulagement le quand même, hein. Il y a des reproches dans le quand même. Quand même. Donc quand même, tu arrives, enfin tu arrives. D'accord? Voyons maintenant un autre petit mot de la conversation, c'est carrément. Carrément. Donc ce petit mot, il peut être intégré dans une phrase, il a pu avoir plusieurs significations, mais aujourd'hui, je vais me centrer sur carrément utilisé tout seul. D'accord? Tout seul. Donc, il peut exprimer un accord. Vous êtes d'accord pour quelque chose que l'on vous propose, par exemple. T'aimerais aller au cinéma avec nous? Et vous répondez carrément. Carrément. Donc avec une expression qui signifie oui, bien sûr, j'aimerais. Hein, donc on donne son accord comme ça pour dire que quelque chose nous plaît, en fait. Hein, carrément. Ou alors, tu aimes ce chanteur? Oh, carrément. Vous voyez? Donc là, vous exprimez un enthousiasme, en fait. Hein, carrément. Il y a un autre carrément qui peut exprimer la surprise. Pareil, on vous raconte quelque chose qui vous paraît waouh, étonnant, surprenant. Donc par exemple, mes parents ont décidé de faire le tour du monde. Et là, vous répondez carrément. Donc là, vous êtes étonné en fait qu'ils aient pris cette décision. Carrément. Donc c'est une façon de dire vraiment que c'est surprenant en fait. Et une autre façon d'utiliser carrément tout seul, en fait, c'est plutôt pour un reproche. Quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas et vous exprimez votre désapprobation, donc vous n'approuvez pas, vous pouvez dire carrément. Je sais pas, mon mari me dit bon, bah, je vais te laisser ranger toute la cuisine là parce que là, j'ai besoin de me reposer. Carrément. Carrément. Donc je lui dis, ah vraiment, tu vraiment t'es en train de me dire ça, mais c'est incroyable que tu me dises ça. Vous voyez? Et là, c'est un reproche, clairement. Donc, vous voyez bien à quel point l'expression du visage et l'intonation est importante pour exprimer soit un enthousiasme, d'accord? Un accord, un enthousiasme, soit pour exprimer une surprise qui peut être assez neutre, c'est simplement une surprise, ou alors pour exprimer plutôt un désaccord, une désapprobation. Voilà pour les trois sens de carrément utilisé tout seul. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit mot, enfin deux petits mots ensemble, beaucoup utilisés, c'est en fait. En fait. Donc en fait est normalement utilisé pour préciser quelque chose que l'on a
exprimer avant, apporter une précision supplémentaire à la phrase précédente. Par exemple, si je vous dis Stromae est un super chanteur français, et là je vais apporter une précision, je fais en fait il est belge, il n'est pas français. D'accord? J'ai voyagé pendant 20 ans sur tous les continents. En fait, j'ai voyagé seulement sur 4 continents. Vous voyez, vous apportez une précision, quelque chose qui manque ou qui n'est pas correct avant. Donc ça, c'est l'utilisation habituelle de en fait. Mais ce que vous allez beaucoup entendre dans le français oral, c'est des en fait qui n'expriment pas vraiment ça. C'est ce qu'on appelle des tics de langage, hein, sont ces petits mots, je vous en ai déjà parlé, qui sont là sans vraiment de sens. On a des habitudes, moi je l'utilise beaucoup, c'est un de mes tics de langage encore. Donc on commence une phrase simplement par en fait. Donc par exemple, quelqu'un vous pose une question, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? Et vous répondez, en fait, je sais pas encore. Vous voyez, ça n'a pas de sens particulier, ça n'apporte pas une précision parce qu'on n'avait rien dit avant. Ce n'est pas une précision, ce n'est pas une correction. C'est comme ça, en fait. C'est vraiment ces petits mots de la conversation qui n'ont pas de sens particulier mais qu'on utilise beaucoup, plus ou moins selon les gens. En fait. Voilà, j'espère que ces petits mots de la conversation vous sont utiles, que vous avez appris à les utiliser, déjà à les comprendre et ensuite à les utiliser. N'hésitez pas à me poser des questions en bas de la vidéo, j'essaye de vous répondre bien sûr. À bientôt!